Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui vont découvrir la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Voici la guidance astrologique du mois d'avril pour le signe du Scorpion et ascendant Scorpion. Du 1er au 30, Mercure rétrograde en secteur 6. La planète Mercure, qui représente les communications, les échanges, les contrats, l'intelligence, le sens des affaires, l'esprit d'analyse, l'éloquence, les négociations. Mais ce Mercure est rétrograde. Cela indique un refoulement de son influence, ce qui tend à provoquer des retards dans les promesses qu'elle représente. Ce Mercure rétrograde peut indiquer des retards, des complications, des ennuis dans la sphère socio-professionnelle. Peut-être que les planifications en question prendront plus de temps ou que des choses demanderont un perfectionnement plus important. Il est conseillé également de gérer sa nervosité. Vénus, la planète de l'amour, du bien-être, de l'harmonie, de la beauté, des arts, du bonheur, du plaisir. Du 1er au 5 avril en secteur 5, vous aurez un grand besoin d'aimer. Vous serez passionné, séducteur, possessif et peut-être jaloux. La période peut être aussi plus ludique, avec une envie de vous amuser. Du 6 au 29, Vénus en secteur 6. Ce passage de Vénus peut vous apporter plaisir et harmonie dans votre vie quotidienne, ainsi que dans votre travail. Les relations professionnelles pourraient s'améliorer. Tous les métiers de service sont favorisés, ainsi que les professions médicales ou paramédicales. Du 1er au 30 avril, Mars en secteur 5. Mars qui symbolise l'action, le dynamisme, le courage, l'initiative, la volonté. Ce Mars va porter un regain de passion avec le partenaire ou une nouvelle rencontre pour les célibataires. C'est le moment d'exprimer votre créativité ou du moins d'aborder la vie de façon plus légère. La notion de plaisir sera le fil conducteur de toute cette période et alors vous pourriez devenir très festif, plus sociable, plus dynamique en société. Dans le secteur professionnel, vous serez très actif et il faudra une activité pour laquelle vous vous passionnez. Jupiter, planète de l'expansion, des opportunités, des portes qui s'ouvrent, du développement spirituel, du bonheur, de la chance. En secteur 7, pour les 4 derniers degrés du deuxième décan et pour les 3 premiers degrés du troisième décan, ce Jupiter va aider à faire un tri relationnel. Voir quelles sont les personnes qui valent la peine de consolider le lien et lesquelles, au contraire, il vaut mieux s'éloigner. Toute attention si vous devez former un faites, pardon, faites attention si vous devez former un accord, signer un contrat, une union, il faut bien analyser. Voilà, ces prévisions ne sont que des tendances, des indications. Gardez pour vous ce qui résonne et laissez le reste. Je vous souhaite un bon mois d'avril et prenez soin de vous. Je vous transmets des ondes d'amour. Au revoir, à bientôt.